La compétition Cinécole de la 13e édition du Festival international du film de Marrakech a livré son verdict vendredi avec la victoire de Ala Akaboun et de Eyoub Lehnout pour leur court-métrage Bad. C'est une chance pour nous pour se faire un peu connaître dans le milieu et pour que les gens, pour que d'autres personnes, on espère, croient en nous et puissent, avec des gens avec qui on peut évoluer. Bah, c'est la nuit d'un personnage sourd-muet qui vit dans un quartier défavorisé où tout passe par la violence. Ce prix, qui a été départagé par 10 courts-métrages tous marocains, est doté par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, président de la Fondation du Festival international du film de Marrakech, d'un prix d'une valeur de 300 000 dirhams pour la réalisation du second court-métrage du gagnant.